Alors voilà un autre exercice classique de proba qu'on ne pouvait pas faire avant et qu'on peut faire maintenant, mais dont tous les calculs sont des calculs très très simples. On va voir qu'on sait tout faire à peu près. Enfin, on sait tout faire, tout simplement. C'est un exercice, alors le contexte est, bon, est certes un peu drôle, mais le but c'est plutôt de vous faire un exercice que je considérais comme un exercice de choix de stratégie. C'est-à-dire que lorsque vous avez plusieurs stratégies à votre disposition, ou vous voulez modéliser le fait que plusieurs personnes ont adopté des stratégies différentes, laquelle est la plus rentable par rapport à une autre? Alors même si pour une situation comme ça paraît évident laquelle des deux va être la plus rentable, l'idée est quand même de savoir si c'est beaucoup plus rentable de faire l'effort ou ça vaut pas le coup. Parce que ça vous pouvez avoir des coûts pour, si on met un peu d'argent là-dessus autour, des coûts pour faire l'un ou pour faire l'autre, ou du temps, ou enfin, des ressources tout simplement différentes. Et donc il faut voir si la différence de stratégie vaut le coup d'être mise en place ou pas. Alors là, c'est un exemple tout bête, mais c'est pour que le contexte soit simple à comprendre. Imaginez que vous ayez un trousseau de beaucoup de clés, 100 clés, et vous devez ouvrir une porte. Donc, il y a la stratégie quand vous êtes méthodique, c'est d'éliminer les clés une à une. Et si vous n'êtes pas méthodique, vous allez tester au hasard un petit peu, et au bout d'un moment, vous aurez la bonne clé. Il est clair que le faire de façon méthodique est meilleur. Mais la question, c'est en moyenne, est-ce que c'est vraiment meilleur? Combien d'essais il faut en plus pour le faire? Et ça, on va pouvoir le déterminer ici. Donc, on me dit ça par ce principe-là. Donc, on dispose de n égale de n supérieur égal à deux clés, dont une seule ouvre la porte de domicile. Donc, après chaque essai, le conseiller remet la clé dans le trousseau. On note x, la variable aléatoire du nombre d'essais pour reconnaître et trouver la bonne clé. Alors ça, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans un autre exercice cette semaine. Mais pour la question 1, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a n clés. Sur n clés, on en a donc une bonne et n-1 infructueuse, qui n'ont pas marché. Ah, et là, il tire au hasard et il recommence. Donc ça revient, c'est exactement la même situation que une urne. Tout simplement de n boules avec une noire et n moins une blanche. Puisqu'on retire au hasard et qu'on remet, c'est un tirage avec remise. Ça aussi, j'en profite pour le dire. Il faut que vous sachiez, vraiment, l'étude classique qu'on a, ce sont les tirages d'urne. Si vous n'avez pas un tirage d'urne, même un tirage de pièces, ce genre de choses, essayez de réfléchir en ces termes-là. On a tellement plus d'expérience avec les urnes qu'en général ça nous aide. Donc on a une urne de n boules, n noire et n moins une blanche. On fait des tirages avec remise jusqu'à obtenir la noire, jusqu'à tirer la boule noire. Et donc on vous demande en première question de reconnaître la loi de X, c'est-à-dire le nombre d'essais nécessaires pour trouver la bonne clé. Alors, à chaque essai pour trouver la bonne clé, à chaque essai, la probabilité de succès, entre guillemets, je vais l'appeler comme ça, de trouver la bonne clé, c'est tout simplement 1 sur n. C'est le nombre de boules noires sur le nombre de boules totales. Alors vous voulez dire, ah mais ça c'est une loi uniforme. Non, non, ça c'est la probabilité de faire un succès une fois. Donc maintenant, la loi de x, donc c'est combien d'essais il faut. Alors ça c'est juste pour vous aider un petit peu dans vos lois. X. C'est le nombre d'essais qu'il faut pour trouver la bonne clé, puisqu'on fait des tirages avec remise, ça peut être infini. Donc il est à peu près évident que x de oméga, le nombre de tirages qui va être nécessaire, ça peut aller jusqu'à n étoiles. C'est-à-dire qu'on est obligé d'en faire un, donc c'est forcément inclus dans n étoiles, et au bout de 10 000 essais, je peux ne toujours pas avoir trouvé la bonne valeur. Donc déjà, puisqu'on me demande de reconnaître une loi de x, c'est que c'est sûrement une loi de référence. Et puisque son support c'est n étoiles, la seule loi de référence qu'on connaît qui a support dans n étoiles pour le moment, c'est la loi géométrique. Et c'est exactement ça ici. Pour un tirage, la probabilité de succès, c'est 1 sur n. Mais on va recommencer ça, et ce qu'on veut, c'est faire des tirages jusqu'à temps qu'on obtienne la bonne boule. Donc c'est une modélisation de premier succès. C'est on répète la variable de Bernoulli présente, la variable de Bernoulli. Là, une variable de Bernoulli, de pas de succès P, de succès 1 sur n,
jusqu'à un premier succès. Donc si on fait ça jusqu'à un premier succès, tout simplement, x suit une loi géométrique de paramètres 1 sur n. Voilà, ça c'est notre cours. Donc on nous demande en question 2, quel est le nombre moyen d'essais pour trouver la bonne clé. Là c'est votre cours de la semaine dernière, hein, tout simplement. Et puisque c'est une loi de référence, l'espérance d'une variable géométrique, c'est tout simplement du 1 sur p. Donc ici ça nous fait du 1 sur 1 sur n, et ça fait du n tirage. C'est-à-dire que en moyenne, vous allez faire choisir n clés pour trouver la bonne. Alors que vous êtes, si on pense à l'autre stratégie, la stratégie méthodique, vous allez faire au plus n tirages. Donc ça vous justifie déjà que l'autre stratégie est mieux. Maintenant, combien de tirages on va gagner par rapport à celui-là, c'est ça qu'on va faire et c'est ça qu'on va essayer de voir. Donc allons-y, faisons la suite de l'exercice. Maintenant on dit que à côté du concierge, il y a un certain Sam qui n'a pas bu. Il élimine après chaque essai infructueux la clé qui n'a pas convenu. On note Y, ça va égal au nombre d'essais nécessaires pour trouver la bonne clé. Tout simplement, donc l'exercice 3 maintenant, enfin la question 3, c'est on revient dans le cadre des probas finis qu'on connaît classiques, c'est-à-dire qu'on a toujours, si on reparle en termes d'urne, on a toujours n boules, on a toujours n-1 blanche et une noire seulement, mais maintenant ce qui change c'est qu'on fait des tirages sans remise. Voilà, puisqu'on fait des tirages sans remise, on va obtenir au bout d'un temps fini la boule noire, c'est sûr. Et de plus, deuxième chose, ça c'est un exercice, ça c'est une question de cours. Quelle est la... Alors, c'était peut-être pas mis sous la forme d'une la loi d'une variable aléatoire, mais quelle est la probabilité de tirer la boule noire au quatrième tirage? On l'avait fait, c'était une loi uniforme. Question de cours, et ça, c'était une loi uniforme de paramètres. C'était une loi uniforme sur tout simplement un n. On va le prouver, hein, ça. Il est clair qu'au premier tirage, on a 1 sur n la probabilité de tirer la noire, et après, on va voir comment ça marche pour le reste. Donc on va le refaire, c'est le but de cet exercice, c'est de refaire ça. Mais là on est en train de refaire une question de cours du premier semestre, hein, c'est tout. Donc comment on nous fait déterminer ça? On nous demande dans ce cas-là pour la question 3 quelle valeur peut prendre Y, déterminer la probabilité de Y égale 1 et de Y égale 2, et ensuite on fait des calculs plus généraux. Ok, donc allons-y. Question 3. Donc, quelle valeur peut prendre Y? Clairement, ici, avec la stratégie, Y de oméga, ça devient l'ensemble 1n. Parce que on doit tirer au moins une clé, et au maximum, en éliminant les clés successivement, puisqu'il y a n clés au total, au bout de n tirages, j'aurais bien obtenu ma boule noire. Donc là, clairement, Y de oméga, c'est 1n. Ok. Question 4, on demande la probabilité de Y égale 1. Ça, c'est la probabilité de juste, donc si j'appelle, là je me donne des notations, moi, BI, c'est tirer la boule noire au IM tirage. Bah, tout simplement, ça, c'est la probabilité de l'événement B1. Ouais, tirer la boule noire, je vais pas l'appeler B, je vais l'appeler N, cet événement, c'est un peu plus, comme c'est moi qui me donne une notation, je m'en fiche. Donc là c'est un seul tirage, donc c'est nombre de cas favorables sur nombre de cas total, ça fait 1 sur n. Par contre, et c'est ça qui est intéressant, la probabilité de Y égale 2, normalement vous êtes tous capables de dire que c'est la probabilité de tirer d'abord alors B1, mais donc du coup c'est n1 bar, ne pas tirer une boule noire, puis tirer une boule noire en n2. Et maintenant on est dans un cas où il y a deux tirages, on a séparé ce qui se passe sur chaque tirage, mais on n'est pas dans les cas où les tirages sont indépendants, vu que la composition de l'urne change, puisqu'on est sans remise, ça c'est une urne qui change. Je vous ai dit tout à l'heure dans notre exercice que une urne qui change, ça veut forcément dire proba 1 pas et formule des probabilités composées. Donc comment on peut calculer la probabilité de cette intersection? Par probabilité composée. Ça c'est la probabilité de n1 bar fois la probabilité sachant n1 bar de n2. Maintenant, cette probabilité-là, c'était du n-1 sur n. Et celle-ci, c'est dans la nouvelle urne. Quelle est la composition de cette urne-là? Si on a réalisé n1 bar, il n'y a plus que n-1 boule, donc
une noire. Donc le fait de tirer une noire, c'est du 1 sur n moins 1. Après simplification, ça fait du 1 sur n. Donc là, l'exercice, je vous fais calculer la probabilité de y égale 1, ça fait du 1 sur n. Y égale 2, ça fait du 1 sur n. Ça a pour but de vous faire souffler, entre guillemets, intuiter la loi uniforme. Mais maintenant, on va faire le vrai calcul. Alors, donc, dans la suite, on note EI l'événement, on fait au moins I et C, et le IM ne convient pas. I et SI, on fait au moins I et C, et le IM convient. Ok. Donc, allons-y. On va faire la question 5. Hop. Alors, pour la question 5. Donc, EI, c'est l'événement I et C au moins, plus, on vous dit en plus que le IM ne convient pas. Et SI, c'est I et C, et en plus, le IM convient. Et ça, on vous demande la probabilité de, sachant E1 inter, E2 inter, E3 inter, EI-1 de EI, et on vous demande aussi la probabilité de SI. Donc clairement, encore une fois, cette question-là, c'est une question où on a déjà effectué I-1 tirage. On vous demande un truc sur le tirage d'après. Donc, ici, c'est un principe de tirage à 1 fois. Il faut savoir dénombrer cet événement et savoir en calculer la probabilité sans aucune difficulté. Juste petite subtilité là-dessus, j'ai gardé les notations standards qu'on a. Si j'ai envie de parler du cours justement de proba qu'on n'a pas fait sur les intersections d'événements décroissants, etc. L'événement E2, il est inclus dans l'événement E1. C'est-à-dire que pour avoir fait au moins deux essais avec le deuxième infructueux, il faut que le premier soit infructueux. Donc on a clairement E2 inclus dans E1, et ainsi de suite, on a EI, EI plus 1 qui est inclus dans EI. Donc en fait, cette probabilité-là de l'intersection E1 inter jusqu'à EI-1 de I par exemple, hein, ou de l'autre c'est pareil, bah, ça c'est la même chose que faire la probabilité sachant EI-1. C'est-à-dire qu'on est dans le cas où les intersections successives c'est le plus petit, on a une suite décroissante d'événements, on est dans le cas où la formule des probabilités composées va pouvoir se simplifier. C'est juste pour vous faire la remarque parce que ça va nous servir pour la question d'après. Ça va nous permettre d'utiliser une version plus simple de la formule des probas composées. Mais à part ça, pour le moment, on a juste à faire ces probas à 1 pas. Alors, comment on fait ces probas à 1 pas? Il faut connaître la composition de l'urne, ou du trousseau. Sachant qu'on a réalisé E1 inter jusqu'à EI-1. C'est-à-dire qu'on a fait I-1 tirage infructueux. Ça veut dire maintenant donc que notre urne, ou notre trousseau, c'est la même chose, notre urne. Si on a fait I-1 tirage infructueux, il y a N-I-1 boule dans l'urne. Il n'y a toujours que une noire. Et donc forcément, il y en a n moins i moins 1 moins une blanche. Donc maintenant, la probabilité, sachant EI moins 1 de l'événement EI, c'est la probabilité de tirer, donc de rater, c'est-à-dire d'être encore infructueux au tirage d'après. C'est donc divisé par nombre de boules totales, c'est du 1 moins i moins 1. Et au-dessus, c'est du nombre de boules qui ratent, c'est-à-dire c'est du n. Alors attention, ça fait du n moins i. Si je simplifie juste ce nombre-là, hein, donc ça, se fait du n moins i sur n moins i plus 1. A l'inverse, la probabilité de faire le succès, c'est-à-dire de réussir au tirage d'après, bah maintenant, c'est tout simplement du 1 sur n moins i plus 1. C'est la complémentaire de l'autre, ou c'est tout simplement le succès. Il n'y a qu'un noir en succès, il n'y a toujours que n moins i. Une boule dans l'urne. Donc maintenant qu'on a ces probabilités conditionnelles, on peut nous demander en question d'après, je pense que c'est la numéro 5, je vérifie, excusez-moi, non, c'est la numéro 6, de déterminer la loi de Y. Alors, hop. Donc pour la question 6, on nous demande la loi de Y, donc on veut pour tout cas appartenant à l'ensemble 1n, donc c'est certes fini, mais c'est un calcul général, donc c'est la même chose que ce qu'on fait en loi infinie ou etc. Il faut arriver à décrire l'événement y égale k. Donc c'est voilà. Là, la question est de tourner de telle façon qu'on n'a pas encore le lien. Alors que c'est le cas dans l'exercice précédent, je crois que c'était l'exercice 3. On n'a pas encore de lien entre la variable y et ses événements ei.
Donc ça va être à nous de le faire, et pour que vous compreniez qu'il faut le faire, c'est pour ça que je ferai mon raisonnement standard. Combien fait-on de tirages ici? On va faire 4 tirages. Ensuite, une fois qu'on fait ça, clairement, l'urne change de composition. Si vous savez que l'urne change de composition, vous savez qu'il y a des calculs à un pas à faire et une formule des probabilités composées. Les calculs à un pas, on vient de les faire, il reste à faire une formule des probabilités composées. Donc il faut comprendre c'est quoi cet événement en termes de ces calculs à un pas et les probabilités composées. Donc il faut savoir décrire l'événement y égale k. Y égale k, ça veut donc dire, ça peut être une explication à mettre en texte, mais c'est juste pour ça, on tire k moins une clé inutile, puis on tire la bonne. Donc ça, c'est clairement l'événement E1, inter, E2, inter, on va jusqu'à K-1, et ensuite on tire la bonne, c'est-à-dire on fait l'événement SK. Donc ça, par la formule des probabilités composées, si on l'écrit juste naturellement, ça fait du P de 1 fois P sachant E1 de E2, fois P sachant E1 inter E2 de E3, et on continue comme ça. On va continuer jusqu'à la probabilité sachant E1 inter, on va aller jusqu'à EK-2 de EK-1. Et on va avoir la probabilité sachant E1 jusqu'à EK-1 de SK. Donc ça, c'est la formule des probabilités composées générales qui marche tout le temps. On peut tout simplement... et c'est bien l'intersection de tous ces événements-là qu'on a. On peut aussi réécrire ça de façon beaucoup plus simple. Donc si on reprend ce calcul avec la notion donc, d'événement décroissant, hein, juste en disant que EI plus 1 est inclus dans EI, donc la suite est décroissante d'événements. Alors ce mot-là, vous n'avez pas encore à le connaître, c'est juste pour vous dire un cas particulier. Je vous avais juste moi dit que quand l'un est inclus dans l'autre, vous pouvez changer la FPC. Donc ça va me dire que la probabilité de Y égale Y, c'est bien la probabilité de 1, comme tout à l'heure. Ça ne change pas. Celle-là, elle ne change pas non plus, parce que la probabilité de 1, ça change 2. Fois maintenant, ce qui change, c'est qu'à la place de mettre du E1 inter E2, j'ai plus qu'à mettre E2, ça change 3. Donc ça me simplifie un peu plus loin, parce que ça va me donner la probabilité, ça change EK-2 seulement de EK-1. Fois la probabilité de, sachant EK-1 de S1. Donc c'est juste une simplification de notation à cet cas particulier de la formule des probabilités composées, c'est pas une nouvelle formule, c'est juste une renotation plus simple de cette formule. Alors, ça fait la probabilité sachant E1. Juste comme mes deux calculs avant, c'était tout simplement la probabilité sachant EI-1 de EI, que j'avais calculé en N-I sur N-I plus 1. Et la probabilité de EI-1 de SI qui valait 1 sur N-I plus 1. Je vais essayer de reprendre les mêmes notations. Donc, puisque là, maintenant, ici, sur toute cette partie-là, j'ai le même type de proba conditionnel, je vais essayer d'adapter mon produit pour que ça colle à peu près. Donc, je veux que ce qui soit là, c'est mes I, il varie de 2, clairement, jusqu'à K-1. Je vais faire un produit pour K égale 2 jusqu'à K-1. Des probabilités, pas k, i, je viens de dire i et k, pour k égale i, justement, pour i égale 2 jusqu'à k-1, ce que je viens de dire, excusez-moi, de la probabilité de ei-1, de i, comme ça j'ai les mêmes notations que dans mon sujet, et après je peux repartir tout simplement avec mon calcul standard. Derrière, j'ai ma probabilité, donc ça je peux déjà calculer, elle s'écrit là, donc si je prends i qui vaut k, donc ça me fait du 1 sur n moins k plus 1. Donc la probabilité de 1, on ne l'avait pas calculée, mais c'est la probabilité de rater la première clé. Il y avait n moins 1 sur n chance de rater la première clé. Et maintenant, j'ai un produit pour i égale 2 à k moins 1, c'était le but des n moins i sur n moins i plus 1, fois 1 sur n moins k plus 1. Clairement, au milieu, j'ai un produit télescopique, vu que j'ai un décalage d'un cran. Si je pose tout simplement ui, la suite n-i, ici j'ai du en bas du ui plus 1. Pardon, j'ai du ui-1 en bas. Ça
du n-i-1. Donc, il faut que je fasse le calcul de ce truc-là. Donc, toujours pareil en termes de produit ou de somme télescopique. L'indice le plus faible, c'est lui, il va prendre le bout le plus bas. Donc, c'est quand i va valoir 2. Donc, quand i vaut 2, je calcule du n-1. Et l'indice le plus haut, c'est celui qui va prendre la borne du haut. Donc, ça va se calculer quand i vaut k-1. Ça va me faire du n-k-1. Le tout multiplié par 1 sur n-k+1. Si vous redéveloppez les termes et que vous faites les bonnes simplifications, on retombe bel et bien sur tout simplement le 1 sur n qu'on cherchait à obtenir. Ce qui implique bien que y est bien, suit bien une loi uniforme sur l'intervalle, oula, sur l'intervalle 1n. Et donc, notamment pour notre exercice, on sait que l'espérance de y dans ce cas-là, c'est tout simplement du n plus 1 sur 2, c'est du pour. Donc on avait une première expérience où, si on tire au hasard, l'espérance, ça faisait n, maintenant c'est du n plus 1 sur 2. Donc en moyenne, on fait un peu moins de la moitié du nombre d'opérations. Donc imaginons que vos opérations n'ont pas beaucoup de coûts, ça peut, si le fait de mettre ça en place est beaucoup plus lourd, ça peut ne pas valoir le coup. Alors que si chaque opération a un énorme coût, le fait de diviser par quasiment deux le nombre d'opérations peut valoir complètement le coup en termes de stratégie. Voilà, le but de cet exercice, c'était plutôt vraiment de faire l'amalgame de ce qu'on peut faire maintenant qu'on ne pouvait pas faire avant. Typiquement, faire du tirage d'urne à plusieurs types de boules avec remise. Parce qu'avant, on était obligé de finir l'étape et donc on ne pouvait pas faire du calcul avec remise. Bon, voilà pour cet exercice.